Salut les gens, c'est Tardarine, je suis toujours en compagnie de Katox, Wurdek et Atimir, et aujourd'hui on s'apprête à faire ce qu'on faisait déjà la dernière fois, c'est-à-dire empêcher un tueur en série de tuer en série. Il faut rentrer discrètement dans cette maison. Bonjour, je viens vous sauver. Voilà. C'est moi, Imoen. C'est moi, c'est quoi, on la rêve Imoen. Ils ont la ref. Alors moi je l'ai pas. Bah c'est Baldur's Gate 1. Attendez, il y a des safe scenes, en bas, allô. En bas, vite. Allô. Je suis là. Ah, oui. Ah, oui. Quoi? Non. Oh non, il a pas buté. Non, elle est paralysée. Ils sont paralysés. Bon. Alors, t'as intérêt à faire un move de fou, là. Dolor, il a 114 PV. Oh. Kiki, il a 10 PV. Oh, putain, merde. Si on aurait un petit sanctuary, là, ça aurait pu aider. Hein. Que je me mets là. Ou les brumeuses. Ouais. Et là. Ah, ah oui, il va faire le bodyguard. Je vais essayer, mais. Ah merde, elle peut pas, elle se prend le plafond. Ah, je peux pas bouger. Je bloque l'entrée du passage pour mon. Ah, c'est emmerdant ça. Je peux pas le TP. Ah ouais, ouais, t'es loin. Alors moi, je vais pas mentir, je pense que je vais claquer une petite popo de hâte pour faire la botte à la bagarre. Alors, faut juste que Dolor il attaque pas les gens paralysés parce que s'il fait loin. Ah ben voilà. Bon, maintenant est-ce que tu peux taper? C'est bien ça la question. Alors évite. Fais gaffe parce que celle par terre, copain, dans le fauteuil, copain. Je suis sûr que c'est pas du tout toi qui as l'habitude de taper les gens. Oh, ça aurait arrivé une fois. Au chalet. Voilà, c'est ça. Non, ben j'ai tenté un truc. Bon, il y a eu un loupé. Ouais. Des erreurs ont été faites. Bah voilà, il y a eu des erreurs ont été commises. Bon, excusez-moi, j'ai fait exprès. Alors, ah putain, Arda, comment je vais faire pour rentrer dans cette maison avec toi là? Bah, comment je vais réussir? Et tu joues en même temps que toi? Ah oui, t'as raison. Oh, c'est incroyable. Ah quoi? Un échec critique, mais c'est honteux. Oh, échec critique. C'est honteux. Je viens de voir échec critique marqué en gros non. Ça m'a fait mal au cœur. Non. Waouh. Ah non. Ah oui. Ah oui. Oui, parce que je les vois du coup. Bon allez, le monde Gatling, là c'est le moment de faire des. Attends, je sais pas si je peux rentrer dans la maison là. Alors, y a pas que lui qui peut faire des trucs. C'est parti. Eh mais y a Sox, y a aussi Gucci qui est dans le fond là. En fait, y a tous les mecs qui sont dans la maison qui veulent nous buter. Oh putain, ça prend une action bonus. Protège-le avec ton corps. Bâtard. Ok. Allez, un échec critique en plus. Alors il faut tuer qui? Bah... Dolor. Ah bien. Sinon, Sox c'est bien aussi. Bon, bref, il faut protéger le Figaro de ton corps. Ah, vas-y, on va essayer ça. Tiens, prends ça, tu con. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ça, hein. Et Dolor, il va mourir là, non? Non, il lui reste 19 PV. Ça arrive! Bon, bah, il est mort. Alors, toute cette XP qu'on gagne et qui ne sert à rien. Essaye de choper Sox. Oh la violence! J'ai tiré une flèche, pardon. Mais t'as combien d'attaques, Ah bah, je me suis mis sous hâte, j'ai utilisé aussi Action Surge. J'ai tapé. Ah, mais j'avais pas vu que t'avais tout lancé. Oh, j'aurais pas fait ça, bon, c'est pas grave. Ah, ça me faisait 3 actions que je démultiplie en 9. Ah oui, quand même. Bah, la bagarre. C'est pas du tout OP. Non, pas du tout. Oh, ça va, on a un moine dans l'équipe.
Ah, tu peux te déplacer ou pas? Non, tu peux pas. Ah, bah, je suis collé déjà à l'autre teuteux là. Oui, non, mais c'est parce que t'étais trop près, je peux pas faire d'AOE sur le mob. Et comme il y a le gars de Arda sur l'autre. Tu voudrais que je me décale où? Non, non, mais t'inquiète. Ah, mais je peux me décaler, je peux me décaler, donc dis-moi, ping. Tout va bien, je vais me débrouiller. Je te rassure, je peux me débrouiller. Je peux encore galoper, hein. Tiens, reviens là. Voilà, merci. Je vais être turn. Et je vais me foutre là, moi. Devant. Oh, merci. Facile. Voilà. Eh, ma réaction, elle est où? Il est pas sorti de ta zone de... Ah, allez, l'esquive. Ah, il est comme... Ah, je disais, c'est bizarre, lui. Bon. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, là, il se montre menaçant. Ah, non, c'est... Oh là. Mais oui, mais tout attends, va bien. Il a dash, ça lui a fait... Bah, moi, ça marche. Ah, non. Ah. RIP. On aura tenté, hein. Ah, tout ça pour donc, y rester en PV. Pourquoi c'est à moi de jouer tout de suite, mais dans le doute. Ah. Il y a le Myrmidon, c'est mis sur mon chemin. Ah, tout ça. Et pourquoi c'est... t'as tapé sur l'élémentaire? Parce que je me suis trompé. Il avait qu'à pas être là. Prenez de la place. Can you believe what that monster was doing? Ah, toi aussi, t'as utilisé une pompe de hâte? Bah oui, j'avais pas vu que t'avais tout balancé, sinon je l'aurais pas fait. Mais je me suis dit, tu vois, pour essayer d'aider, mais en fait, c'est con parce que j'avais. En fait, j'aurais pu faire plus de dommages au premier tour, mais vous étiez tous près des mobs et j'allais vous faire mal, quoi. Ah, il encore une restaurant sur ces articles. Ouais, on va pouvoir faire la mode. In the face of such horror, I don't see that I have much choice. Now, how may I help you today? Est-ce que tu as une potion de résurrection? I sell anything and everything needed to cultivate your countenance. Oh non, il y a ah, quel enfer. Ouais. J'ai le GeForce Experience qui s'est ouvert avec tous les... Oh, quel envers. On va voir, hein, Comment tu fais des... Comment alors, qu'est-ce qu'on peut acheter? Ouh, plein de petites tenues. Ouais. Oh, ok, ça je prends pour Atemir d'office, et je suis en voir. Pourquoi c'est une tenue de gourgandie? Ouais, tu vois, je me rends je ne vois pas ce que tu veux dire. Atemir, je te l'envoie, tu me dis sur la question. Y a une ficelle elfique, tout va bien. Incroyable, quel gueule ça. Ah, c'est passé, attendez, j'ai enlevé les vêtements, mais pas les bons. Attends, on voit pas. Attends, je t'envoie la collection. Ah, ils sont stylés ceux-là. Attends, t'as claqué toute la thune. Oh, non, ah oui, d'accord. Ah oui, attends, parce que moi je suis toujours dans le magasin là-haut. Oh, ah ouais, t'es sacré. Ah ouais, attends, alors. Oh oui. Comment je reste comme ça toute la partie? Ouais, franchement, est-ce que c'est un coup à ce qu'on se fasse démonétiser ou pas? Ça va, on voit franchement, pas les TP. Franchement, je suis un sous-type, c'est ouais, ok. Pas, c'est... Il y a la même chose dans Star Wars. Pour moi que ça, hein. Il y a la même chose dans Star Wars, c'est bon. Non, elle était pas sérieux. Genre juste en maillot. Vous vous rappelez la scène où il y avait. Ouais, mais elle était à Walp. On était dans l'auberge là avec les deux qui étaient pas très habillés. Elle était à Walp. Dans l'auberge avec les deux qui étaient pas très habillés. J'ai pas vu toutes les tenues, moi, fait. C'était là. Ah, la nymphe. Ouais, la nymphe, ouais. Ah ouais. Ah mais attends. Je vais démonétiser, moi. Mais pourquoi tu l'attends? C'était bien en couleur de base. Non, c'était dégueu.
Après, c'est vrai que c'est joli comme ça, t'as un petit côté marin, on dirait presque une sirène. Oh, et les autres, ça donne quoi? Est-ce que vous voulez des mains? Tiens, Katox, je te donne une petite pochette. C'est je te donne la main, quoi, comme on dit. Ah ouais. Ça me fume. Tiens-moi la main. Ça, il a passé la main, quoi. La main et prends la mienne. Ah ouais, ça va. Ça, il faut garder au moins une main quand même. Alors, il y a une porte en haut de l'escalier qui est verrouillée. Attendez, moi j'ai ramassé des trucs, là j'en ai pour 2 ans à essayer de comprendre. Tu peux pas essayer la tenue cœur moustache Et j'ai trouvé une trappe verrouillée. Mais je l'ai mise tout à l'heure, regarde. Bah oui, moi je l'ai pas vu. Ah ouais. Ça, on est sur notre style, quoi. C'est un coup à se faire démonétiser, celle-là, pour le coup. L'autre underwear, c'était quoi? Parce que là, C'est ça. Non, l'autre... Bah avant, moi j'avais ça. Après il m'a filé ça, et sinon j'avais ça. Hey, il est joli hein, celui-là. Mais le truc angélique, c'est incroyable, moi je reste comme ouais, ça. Ouais, alors ouais, là t'es... Oh sinon... Après c'est vrai qu'on a fait, on peut faire des petits fashion victimes de temps en temps. C'est plus que fashion victime là. Moi j'aime bien ma tenue, je suis... Moi j'aime bien, ça me fait rire. Maintenant que... Bah, l'avantage c'est... Pour soutien-gorge de combat. L'avantage c'est que... Qui donne un plus 4 à la défense, bien sûr. Des bottes avec porte dimensionnelle, incroyable. Tiens, une arme. Non mais moi je viens de looter des milliards de trucs là, donc j'essaie de comprendre ce que c'est. T'as looté quoi? Bah je sais pas, il y avait 10 milliards de mobs, vous êtes tous partis voir. Oh, un marchand! Et moi j'étais en mode, bon attendez, il y a des gens à looter, 2 secondes. Bah, c'est vrai que j'ai quelqu'un, on m'a dit que j'avais pas droit. Non, toi t'es puni. D'accord. Ah, c'est moi qui vais m'ensembler en cœur moustache. Allez, vas-y, c'est parti, let's go. Quoi, non, non. Allô quoi? Ah non, c'est là. Attends, c'était quoi mes vêtements à la base? Ok. C'est très cœur moustache. Ouais. Ah, la tenue du... Attends, c'était où ça? Ça, ah, c'est, non, la ouais, c'est la fille pompon, ça. L'équipe de Glargue. Ouais. Oh gosh. Ouais, celle-là, ouais, allez, vas-y, let's go. Ouais, vas-y, moi, je me bats comme ça. Regarde, cette nouvelle teinture. Putain, ça, on est vraiment des fashion victimes, ça me fait. Oh, t'es les... On peut faire des... Donc, faut absolument pas que tu parles au marchand, quoi. Les autres, bon, du coup, sur lui. De quoi, y'a quoi ici? Vous parliez de truc? Ah, très bien, je crois que je... Et en haut de l'escalier, y'aura une porte. Ouais, ah, quand tu marches dans le sens, ça fait laisse des traces de pas. Oh, c'est trop bien. Bah, réussite critique. Allons en bas. Nous sommes au sous-sol, mes amis. Ah, j'ai perdu tous les modes que j'avais, ça me stresse. Je sors le trident de on ne sait où. Mais franchement, c'est que de la teinture. Ah, j'ai trouvé une clé. Par contre, j'ai aussi trouvé des pièges. Moi, j'ai trouvé des teintures. Je peux pas tout faire. Il y a d'office un truc. Il semble destructible. Il y a un coffre opulent. Ouais, il y a des teintures devant. Ah, il y a quelqu'un qui a dit YOLO. J'ai entendu. Délicatement ouvert une porte. Ah, j'ai trouvé la mine. Oh. Ah, c'est marrant ces teintures là, je les... Vas-y, je vais essayer de teindre mon harnais. Est-ce que ça marche? Eh ben non. Je suis Wonder Woman, je suis en rouge et jaune. Amazon. On attend le crocheteur pour du coffre. Un crocheteur et le mur cassé, c'est... C'est Katox. C'était pas un mur porteur, hein. Il y avait un piège avant. Réussi. T'inquiète, je m'y connais en cassage de mur. Comme le quatrième. Réussi. Oui, précisément. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ouais, c'est faites-vous plaisir, hein, surtout, je vous les laisse.
Attends, moi je vais peut-être me laver un peu parce que là je suis couvert de sang, petite tenue, c'est assez. Tenue opalescente. Voilà. Ah, mais là aussi il y a un coffre. Oui, 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 il y a aussi. Alors j'ai récupéré une clé par contre, j'arrive pas à ouvrir quoi que ce soit. L'avantage c'est que je t'avoue que je crochette tout, moi ça va plus vite. Ah bah c'était ça. Tiens, bah c'est pour toi, Arda. C'était des bagues. Mais non, mais c'était pas le coffre, je l'ai déverrouillé. Ouais, mais là le coffre orné de dorure. Il y a un coffre là. J'ai cliqué dessus. C'est celui le coffre en bois là-bas que j'ai pas réussi à ouvrir avec la clé. J'ai récupéré une clé, mais elle m'a servi uniquement pour le coffre orné de dorure. On est d'accord, les teintures que t'as récupérées, la mano, ça, tu peux pas t'en donner un objet. J'essaye et ça marche. De quoi pas. Les teintures? Bah ouais, là j'ai juste die, combine this die with an equipment item, et j'ai essayé sur mon armure, sur ma cape, mes sous-vêtements, et ça a pas marché. Non, combinaison impossible, ça dit. Ouais, on est d'accord. Oh, je suis tellement pimpant. Elle va peut-être remonter déjà. Ah non. C'est quoi ça? Flèche tueuse de monstruosité. Il faut que je change de couleur, faut que je chope des. Ah, t'as un côté aristocrate. Ouais, ça, moi ça j'aime bien la mienne. Franchement la mienne elle est plutôt classe. Bon sur le nain mieux mais. Ah, c'est pareil, le skin de l'armure de persistance, je suis pas fan. Là on est bien. Ah ouais. Voilà, là franchement monsieur. Ça fait vraiment warlock quoi, c'est. On voit l'occultiste en toi. C'est un ça. Peu serpentard mais. Précisément, pas de. Moi, je vous attends à la prochaine porte à déverrouiller. Il y a le mec qui arrive. Putain, ils font chier. C'est quoi ces teuteux qui font des. qui font du déguisement là, j'en ai marre. C'est ça, mais merde, on doit sauver le monde là. Hey, t'as vu, là ouais, c'est ça. Et on peut sauver le monde tout en étant classe. Je suis désolé. J'avoue. Katox, Stylax. C'est pour toi. Quoi ? Il va t'envoyer un chapeau. Il a l'air sublime. Ah, moi je vous laisse faire le repérage. Hein. J'ai éteint mon armure. Mais franchement, vous laissez tellement tout traîner à chaque fois. Mais dans ma tenue de camp, il est très beau, mais dans la tenue de camp, tu peux pas avoir de chapeau, c'est un peu dommage, mais effectivement, il est beau. Pas te mentir que je sais que t'es là et que tu vas tout looter, donc je me fais pas trop. Voilà, bon. Mais j'ai loupé ! Tac, il est mauvais. C'est pas commun ça. T'es mauvais, Jack. Bon, l'avantage, c'est que j'ai encore 60 essais, quoi, donc. C'est ouvert ! Pourquoi c'est sombre là-bas? C'est bizarre. Coffre de voyage. Un présentoir à gâteau. Ouais, vous me dites hein, s'il y a de la bagarre. Bah écoute, pour l'instant, ça a l'air plutôt tranquille. Hein. Oh! Il est amateur d'art, lui. Coffre en osier. Clé du coffre de Figaro. Ah bah y'a un coffre au mur aussi si tu veux. Mulmire, je t'ai envoyé des trucs mais c'était pour Arda, désolé. Oui, je vois ça, oui, le doigt de géant. En fait j'ai pensé à toi, j'allais dire tiens j'ai trouvé ça en l'envoyant à Arda et mon cerveau a... Y'a un coffre au mur. A freeze. Alors, parce qu'il y en a ensemble. Il est vide. C'est naze. Quelle tristesse. Quelle déception. Ouais, on est d'accord qu'il est vide, hein. J'ai cliqué dessus mais il s'est rien passé. C'est qu'il doit être vide. Bah, tristesse, voilà. Tiens, il y a un nécessaire à déguisement. Et bah voilà, c'était bien. Allez, cassons-nous. Bon bah, on n'aura pas réussi. Rise de Katox. On n'a pas réussi à en sauver beaucoup des gens là. Eh, hey, c'est quoi ça là-bas? Ah, c'est juste un. Il y a des bouquins, ok.
Bon, du coup, il y avait encore des gens à les sauver. Je sais pas. Non, mais qu'est-ce qu'il fait, mon bonhomme? Il est parti où là? Reviens, reviens. Sauver Vanrak est là-bas. Attendez, vous parliez de d'acheter des trucs à des gens là. C'était quoi? C'était à quelle heure? Quoi? Ah, mais c'était les fringues que vous avez essayé d'acheter, c'est ça? Oui, oui, il y en avait tellement d'autres. Qui c'est qui frappe comme ça? Et il n'y avait pas des teintures genre de noir bien sombre? Bah, j'ai pas eu. Je... Écoute, tiens. Parce que là, moi, j'aimerais ressembler un peu à un Black Templar, mais. Bon, moi, je vais sauver Vendra. Voilà. Et c'est où? Bah, tu vois, sur le point, t'as une quête quelque part qui dit sauver Vendra, c'est là. The Blushing Mermaid. Mon dieu, une chariote de choux renversée. Bah, c'est Avatar, je reconnais ça. Mais tout le monde va n'importe où, on a loupé la moitié des maisons. Moi j'essaie de retrouver Katax, mais je sais pas où il a ce qu'il a foutu les pieds. Bah, moi j'ai. Ça me vénère. Vous pouvez pas imaginer. Bah, surtout qu'on est passé à côté de l'Emporium, enfin de la super boutique des magiciens. Ah, j'ai trouvé la charrette de chou renversée. Ah, alors, on a pas dit qu'on soulevait d'abord tous les gens et puis qu'on faisait le reste. Il y a un endroit où on peut creuser. Vite, creuse de mon cycle de terre. Ah. Apparemment, alors, il fallait pas. Il est rouge, le monticule de terre. Oh, moi, je viens pas. On va finir par les buter toute la vie, là. C'est bon. Alors, elle est où? Par là? C'est pas là. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Vous avez la sirène rougissante. J'arrive, j'arrive. Ah, je suis là, mais je suis sur la maison. Attends, ah, ça va pas aider, ça. Clé en méché. Ah, c'est peut-être ça, Black and Furnace. On trouve qui? C'est quoi le nom de la personne? S'appelle Vanra. J'ai Capitaine Sinistrella. Yes! Ah, merci beaucoup pour les teintures. Mais non, mais il est au sous-sol. Là, ici, il y a une porte. Là. Attends, je parle à Captain Sinistrella. Faut cliquer sur la porte pour aller au sous-sol. Oh, elle est trop bien. Je viens de gagner 270 XP. Ouais, c'est parce que je suis joli maintenant. T'es sûr que c'est ça? Je suis classe quand même. Vous êtes où là-dedans? Dans le sous-sol. Dans le sous-sol. Et bah, sous j'ai trouvé de l'or, j'ai trouvé de l'or. Non, franchement, en vrai, elle est belle mon armure. Et où ton armure? Bah, sur moi. Bah, effectivement, ça fait un peu Black Templar. Mais j'ai l'habitude de chercher un nain, moi, pas une elfe. Hein. Bah, on est remonté. Ça, c'est du méjorisme. Hein. Je reconnais. Ah, j'ai cru, mais non. C'est du méracisme. Si, mais là, derrière ces trucs. Non, mais attendez, là. Bah, c'est sûr qu'il y a un truc là. Je sais pas où t'es. Alors, moi je me casse, hein, bisous. Mais où est-il? Il y avait rien, je suis maxillé. Ici j'ai fait un sort d'investigation raté, d'office un truc. Vas-y, investigue. Ouais, d'office le mur là est destructible. Voilà, allez. Même sans aide, je l'avais vu. Arda, ramène-toi parce que là c'est. Par chemin, ah, attends, il y a une porte. Allez. Pour Arda. Regardez d'où je déverrouille la porte, c'est vraiment n'importe quoi. Ah bah ça, c'est un monk. J'ai des bras exprès. Bon, faut faire 10, ça fait deux fois que je loupe. Note que la dernière fois qu'on a vu un. La dernière fois qu'on a vu un mur illusoire comme ça, c'était dans le truc de la guenaude. Bah, je laisse les tanks passer devant. J'avoue, passe devant le tank. Je vais peut-être attendre, j'éteins ma loupe. Ok, c'est de nouveau une guenaude. D'office, vu le style. Par contre, vous êtes devant la porte, si vous voulez laisser passer le tank, peut-être. Je peux pas passer là. Non, je cherchais juste voir si. Attends. Alors je suis la nuit. Ich bin the night, déjà. Ah, ich bin the night.
Ah, perception ratée. Perception c'est... réussie. Pourquoi ça me rappelle le truc de Tati et Tel? Ben, parce qu'ils ont des masques, ils ont des... voilà, voilà. Alors, est-ce qu'on essaie de parlementer ou alors casse la gueule direct? Parlementer avec des masques, on a jamais réussi. Hein. Je peux utiliser un chaudron à l'étage. Ah, je suis plus furtif. Oh, hey, j'ai... Oh, j'ai l'avantage. Alors déjà... Bonjour. Il t'attaque direct? Si oui, je balance une AO. Ah ouais, là, ils veulent la bagarre. T'as Atémir fait le tour pour les petits pièges. Et bah, y avait un coffre. Moi, je vous ai vu vous battre, j'ai trouvé un coffre, ça m'intéressait plus ça. Hein. Quoi? Ok. C'est qui les méchants là-dedans là? Je crois qu'ils sont en rouge. Fair enough. Ah merde, j'ai passé mon tour, putain. Attendez, je les cherche. Oh, la violence. Comment ça qu'on s'est transporté? Je sais pas. Ah, il m'a fait une injonction. Halt. Bah, j'halte. Eh, j'adore l'animation, par contre. Elle est très drôle. Ah bon, Gabi. Ouh. Agabagobo. Ah, la chanson, elle est Gabi. La bagadi boudabi. Ouais, c'est ça, t'as l'impression qu'en fait c'est des mignons qui chantent. Ouais, c'est ça ou c'est une chanson des Sims quoi. Ah ouais. Ah bah bagabi. 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 Tu peux t'intéresser à la floraison après le combat. Pour l'instant, il y a Atémir qui fait des choses. Ça, on sait. Je me balade. Oh merde! Alors, l'aspect un peu chiante. Ouf. Oh là! Échec critique, allez. Ouais, voilà. 7. Non, non! Ah, ça va, je peux toujours voler, c'est le principal. Qu'un barde a été utile pendant un combat. Je refuse. Toi aussi, ça t'étonne. C'est franchement. Bullshit. Gabo Gabi. Waka Bagi Bougaba. Ah ouais, trop bien. On va pouvoir marcher dans du sang et faire des traces de pas rouge. Loba Gabi. Oh, allez, on monte. Ça casse un peu. Non. Ça casse un peu le côté sérieux du combat quoi. Tiens, tout ça. Quand je vous disais qu'on était incapable de faire des trucs sérieusement. Ah bon, je vais marcher dans la cible. Ouais, mais... m'en fous pas. Il m'a tapé là. Comment ça, je m'ai interrompu. Oh. Alors. Oh. Ils ont des petits buffs entre eux qui peuvent faire bobo. Mais d'où je peux pas le toucher. Voilà. Mais pourquoi il me tape à chaque fois que je le tape? Eh ben c'est parce que lui il a le masque de la vengeance, je crois. Attends, je regarde. Ouais, lui il a le masque de la vengeance et quand tu lui tapes dessus, il te retape dessus, mais en plus. C'est ça. Il a une réaction supplémentaire et quand il se fait attaquer, la créature peut utiliser une réaction pour contre-attaquer avec Vengeful Strike. Et ça fait 11 à 22 dégâts de slashing plus. Tu peux pas le push un tout petit peu? Et 4? Moi à 14 ouais. Bah, malheureusement, non. Qui est le masque de vengeance? Tu veux qu'on le mette où? Bah, juste le push parce que pour l'instant, je peux taper personne. Alors, si tu veux, je te fais une livraison à domicile. Fais une livraison à domicile.
Ah bah ça c'est une technique de professionnel. Parfait. En fait, alors votre colis Amazon va arriver d'ici à peu près... Hein quoi? Pourquoi je peux pas jouer moi? Bah je sais pas, je te vois pas dans le tour de jeu moi. Bah moi je sais pas, je vois faire des trucs mais... Ouais ouais. C'est vrai que je te vois plus dans le tour de jeu. Bah moi je me vois mais je suis grisé. Allô, qu'est-ce que... T'aurais pas une... Oh bah tant pis. Paralysie quelconque? Bah non, je vois pas de... Vas-y, je m'étais poussé et tout. Bizarre ça. Ah oh, merci. Ah ça y est, je peux. Tu fais une livraison Amazon? Tu veux une livraison? Ah c'est bon. Je suis à portée. Ah parce que sinon, attends. Ah non, vas-y, bah tape-le. C'est bon. Hop là. Non! Putain! La caméra! Mais non, mais tu. C'est un bidon, il en prend. Oui, mais je viens de tirer dessus! Mais j'ai pas fait exprès! Ah, heureusement qu'il y a 120 trompés, le bordel, hein, parce que vraiment, avec toi, c'est. Est-ce que vous voulez vous healer et je mets mon myrmidon à côté? Ah bah moi je suis en parfaite santé. Capitaine Sistre là, bah c'est celle qui était. Celle qui était juste à l'étage. Oui. Ah merde, on l'a buté? Bah. Propriétaire de la sirène rougissante, elle était là mais avec un masque. Ah merde! Ah la vacherie! Bah oui, mais elle était à l'étage il y a 2 secondes. C'était peut-être un doppelganger. Ah bah à l'étage je pense ouais. Bon il est ou il est pas? Je t'ai envoyé un petit texte à lire. Tiens, encore un autre texte à lire. Paf. Ah il y a un tambour ici. What's in here? Mais, et pas l'autre en fait les mecs. Si. Oh un cube en bois, super. Et où est-ce que tu l'as vu la capitaine? Ah ouais, capitaine Grizzly. Ah c'est bête hein. Bah ouais. Ah peut-être qu'on aurait pu la knock. C'est vrai, on aurait peut-être pu les knock hein. Bah t'es avec un masque. Alors il perd les masques là. Oh mon dieu, ce que je lis c'est énorme. C'est quoi? Tati. Ils sont revenus comme vous aviez dit. Ils m'ont volé mes affaires, m'ont arroché tous mes vêtements et puis ils m'ont pissé dessus devant tout le monde. Ok. Ok. Ouais, bah classique quoi, une bonne soirée. Il y en a qui s'amusent. Je reviens, je vais poser des trucs au camp et... pendant que vous étudiez les trucs. Et puis après, elle demande à Tati je ferai ce que vous voudrez, la cuisine, le ménage, vous laverez les pieds, n'importe quoi tant que vous leur faites du mal. Tant que vous les faites hurler, je n'ai qu'une seule chose à vous demander. Est-ce que je peux regarder? Ok. Oui. C'est bien malsain. Il y a eu des traumatismes à mon avis dans la vie de cette personne. Vous avez des problèmes. Clairement. C'était pas Jojo. Ah mais attendez, c'est pas fini, il y a un truc encore. Ouais, une grande porte dans le fond. Ouais, je... Always room for more. Oh, j'aurais des trucs blancs à vendre si jamais. Oh! Ah ouais, il y avait des compos, c'est vrai. Il doit y avoir un piège sur cette porte. Attends, il y a des fameuses potions qui reprennent le nom des potions cheloues de chez. La dernière fois, faut les tester. Mais non, mais c'est les mêmes. Bah non. Ah si. Temps perdu. C'est les mêmes. Papillon l'estomac. Ah bon. Ouais. Bon, bah dis-moi, tu pourrais te rapprocher de la porte, Katox, s'il te plaît? Ah, bon bah, tant pis. Quoi? Qu'est-ce que j'étais censé faire, moi? Allez, j'ai loupé un jeu de personne. Ah. This place is trapped. Compte. On a voulu te vicious mockery quoi. Wow. Ah,
Non mais ça part dans tous les sens. Mais non, là on revient. Là, ça revient au départ. Hein. Ah ok. Là où attends. Tu disais il doit y avoir un passage, et ben t'as ouvert le passage. Ok. Mais c'est un monde de guenaud d'ici, hein. On en trouve partout. Hein. Mm-hmm. Attends, dans la lettre c'était qui? Elle s'adressait à qui? On est dans The Witcher 3? De ce... Chaudron déformé. Burke. Ouais, d'accord. Attendez, je reviens. Je suis désolé. Je viens de voir une chose autrement plus importante que quoi n'importe quoi d'autre. Ce qu'il faut. Un chaudron dans lequel il y a des crocs de warg. Ah ouais. Oh mais non. Oublie pas de faire une étagère derrière toi. Ah ouais, ça, il y a un coffre à côté de toi. Ah ouais, tu as déjà loot, hein. Oui, ah oui, oui. Non mais, enfin, mais respecte-moi, enfin, genre... Alors, permets-moi de douter de ta... Bon, voilà, il y avait un coffre à côté et t'as même pas vu les crocs de warg dans le petit chaudron. Mais je te dis, j'ai plus mon mode qui fait que tout est en surbrillance de base, genre il faut que j'appuie sur Alt, là. Ah bah là, t'as un sac de vitriol de Rootsack à côté de toi. Je l'ai pris. Ah, bah un spécimen de flageoleur mental ici, tiens. Et un vitriol de poche d'ombre acide, je sais pas ce que c'est. Mais ça c'est un truc pour des compos d'alchi, si je me trompe pas. T'as une pomme juteuse aussi. Ouais, alors permets-moi de douter de des pommes. Ça gêne les machins. Succulente pomme rouge qui supplie presque qu'on la goûte. Y'a une tête de mort et y'a marqué 10 tours. Ah, j'ai vu son tour. Ah bah, ok, j'ai rien dit. C'est quoi les clochettes par le sport machin là? On peut les buter? Bah, fais un clic droit dessus et t'auras une info. Qui c'est qui a parlé? Ah, bro. Pourquoi moi j'arrive plus à faire aucune action? Ce qui est bizarre parce que t'es quand même en hâte. Là, je suis en hâte, mais en plus, je fais aucune action. Regarde, il est coincé là. Ah, oui, c'est vrai qu'il est en train de faire un petit pas de danse là. Hey, holy! Ah, ça! Elle, putain, elle pousse toi par contre, parce que là, t'es. Attends, mais faut lui faire. Mais je peux pas! Push me! Ouais, je vais te push, attends. Merci. Ah, voilà. Bon, est-ce que je peux lancer mes sorts maintenant? Non. Mais il veut pas, je peux pas jouer. C'est quoi cette bouse? Bah elle est pas morte celle-là. Mais c'est précisément ce que je viens de dire. I kid you. Did you think you were the first? That I didn't plan for it, Petal? That said, I'm shocked and appalled, Petal. I can't believe you tried to gut me out in the open like that. After all, it's not just me anymore. What is it they say? Eating for two. Parce que vous êtes enceinte. J'aime bien la deuxième réponse, tu sais, c'est faire un peu le mec qui comprend pas quoi, c'est... Ah c'est marrant tiens, dans la... T'es repassé en jupette rouge avec... Ok. Mais j'ai dit, je suis en... Comment ça s'appelle? Je suis en Wonder Woman. Ouais, bah, c'était pas mal en bleu aussi, argenté. So very tasty. Venre sits in my belly, growing fat with power. In time, I'll vomit her up and have myself a fresh young hag to train. I have you beat, so do the heroic thing. Die. La baston? Oui, la baston! Bah, pas pris plus de PV qu'avant. Elle est où? Dans ton cul. Ah oui, elle est là. Mais je peux pas lancer de sort. C'est quoi cette bouse? Je bug, regarde, je suis en train de faire des... Ouais, t'es en train de faire du flamenco là, effectivement. C'est ça. Et au pire, sauvegarde et relance, gars.
Oh, encore son truc à la con. Bon, j'ai sauvegardé. Il y a des champignons dans la bataille. J'ai même pas le turn order, moi je suis toujours coincé sur le même bousin donc. Bah vas-y, vas-y, vas-y. Ah, mais t'es carrément plus dans le. T'étais carrément pas dans le turn order donc. Super. J'espère que je vais charger. Excusez-le, il était en train de poncer le dance floor, il peut pas être et dans le combat et en train de kiffer la vibe. Excusez-moi, ce mec, il a cru que ça allait être une battle de danse quoi, c'est. Et là, il a fait une réussite critique sur son petit move. Oh, la guenaude, elle est en PLS total en mode. Le dérangé, il a complètement perturbé. Bon, du coup, faut pas essayer. Vous êtes pas la buter, c'est ça? What? Et je suis où là? Bah, t'es même pas là? Ben non, en fait, je suis sur un champignon. Alors écoute, on t'attend, hein. Par contre, t'es très mal en point. Ouais, c'est quoi ces PV là? Ah, je t'échauffe, pourtant je t'ai pas fait de dégâts. Et après, déjà, hein, tout à l'heure, là, quand, avant que tu recharges la game, t'étais déjà à 19 PV. Hein. Donc. Attends, je simule la creux de vie. On fait la bagarre. Et celle ou une illusion? Ça se trouve, la guenode, ça t'a fait ça pas à grand chose pour l'instant. Ouais, mais faut bien qu'on tape sur quelqu'un là. Ouais, mais il y a les sports. Ah, mais attends, mais il y a encore ça là-bas là. Alors t'as un indice hein, pour savoir sur laquelle taper techniquement. Bah t'en as une qui vibre un peu plus que les autres, non? Non, il y a t'as un buff qui est pas présent sur l'une d'elles. Ouais, mais j'arrive pas à voir les autres, j'en vois qu'une. Ah, faut pas la tuer, si on la tue, ça tue l'enfant, c'est relou. Ouais. Ah bah voilà, là c'est bon. Mais attendez, vous voulez pas, faudrait aller tuer le champi qui est là-haut là. Attends, je peux essayer d'y aller sur. Alors. Et là-bas, il y en a un aussi, il y a 3 champis à tuer. Que peu de bol me verra pas. Ah, trop tard, elle m'a vu. Ah, peut-être en marchant dans la hâte, je peux y aller. Dans la hâte, il y a de la hâte quelque part? Là, il y a un. Ah, incroyable, attends, j'y vais. Tu veux auquel? Je vais aux autres. Bah moi là je pense que je peux y aller à celui-là. Ouais, je vais à l'autre là. Ah, je vais être invisible les deux autres là. Bah je peux me déplacer un peu partout pour tenter de les voir, mais là j'en vois une. C'est bon, tu peux te faire la bagarre. La bagarre. Je peux faire la bagarre. Par contre, faut réussir à faire 100 dommages en un tour. Quoi? C'est pas un problème. Ah mais j'ai hâte. Mais t'as raison, ça va pas être un problème. J'avais oublié qu'on avait hâte là. Oh, quelqu'un aurait une flèche de transmission. Ah bah voilà, l'autre elle est juste derrière toi. Quelqu'un aurait une flèche de transmission. Derrière moi? Ah. Non, Ouais, je l'ai vu, mais ça sert à rien que je lui tape dessus. Ma flèche de transposition, toutes les flèches qui ont été sont chez Monk. Ok. Tu veux une flèche de transposition, si tu peux m'enfiler une, parce que là j'ai plus de mouvement, j'ai couru comme un débile et j'ai pas fait le jump je avant. Peux tenter une porte. Ah non, la porte dimensionnelle. Ah oui, non. Ouais. Ah, bah, juste une flèche. Yes, merci. Ah, ouais. Ah, c'est relou. Arda, il te reste un truc pour tirer ou pas là? Arda? Hello? Oui. Est-ce que 13 PV, je sais pas si je vais pouvoir. Ah bon? Ironique. Oh, ça va être chaud. Ah, voilà, si quelqu'un peut foutre un coup dans le champi sur lequel je suis. Ah yes. Ah oui, il est beau. Est-ce que ouais, je veux pas lancer ça. Gestation de Gnode. Ah, y'en a une qui a gestation de Gnode et pas les autres. Ouais, c'est comme ça que tu peux la repérer. Du coup, attends, on veut la tuer ou pas? Bah non, bah du coup, faut activer les stuns. Les stuns. Et dans les passifs, tu peux activer attaque en métal. J'ai l'impression que tu l'as cliqué toi et ça l'a activé aussi chez moi. Ah bah bien alors. Voilà, comme ça. C'est où? C'est dans fiche de personnage? Non, c'est dans passif, dans les sorts passifs.
Non mais il l'a activé je crois pour tout le monde. Parce que moi je l'ai aussi d'activer maintenant. J'entends mais j'aimerais savoir de quoi, tu vois, j'aimerais savoir. Va dans le passif. Et t'as un petit icône avec un mec qui se prend un bonk sur la tête. Ouais. Et bien ça, ça te permet de passer les attaques. En gros, le coup fatal ne sera pas un coup mortel, mais juste va l'assommer. Ok. C'est écrit dans la description. Ouais, non, je savais pas que ça existait. Ah, avant qu'il fasse des matchs, ça servait pas à grand chose, je trouvais. Ou alors c'était purement RP, si tu voulais pas tuer quelqu'un. Tu peux passer ton tour aussi, si jamais. Mais maintenant, je pense que ça a un intérêt de l'activer. Ouais. Bah, en tout cas, je sais que pour certains persos, qu'avant t'étais obligé de tuer, maintenant si tu les knock, tu peux éviter de les tuer et après les avoir ultérieurement. Ok. Tu pouvais pas te healer avant de rejoindre le combat d'ailleurs, Katox. Ah, je vais aller me mettre dans un coin pour. Faudrait juste que j'attends que. T'es sérieux? Jeté un sort qui me rajoute 25 PV. Putain, j'ai faim, j'aurais dû manger avant. Bah écoute, moi je t'avoue, j'ai pris le temps de dîner. Le téléchargement était tellement rapide que j'avais le temps de manger. Ah mais faudrait que je vois avec Orange si je peux pas augmenter la bande passante. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette épée. Ah bah ça tombe bien, on la voit toujours. Alors viens là, choupette. Ah bon, on la voit toujours? Ouais, c'est celle qui est à côté de Katox, la vraie. Alors... Ah mais attendez, il y a des sports de match juste là, pourquoi je... Enfin... Quelle idée... Super, génial. Génial, c'est trop bien. Que t'as fait. Ah bah j'ai le jump, mais sauf que le jeu a décidé de me faire me bouffer le plafond et donc ça va buter. Incroyable. Il est tombé dans le trou. Non mais ça me gonfle, ça commence à me gonfler parce que j'ai à chaque fois des bugs de collision depuis qu'on est arrivé à l'acte 3, à chaque fois j'ai des bugs de collision. Dès que je fais un jump, je me bouffe des décors et ça me bute. Katox, donc, tu recharges? C'est un peu chiant. Je peux reprendre la dernière recharge, ouais. Ça me permettra de me heal avant de rentrer dans le combat. Non mais c'est surtout que maintenant que... Enfin là j'ai jump, je sais pas comment je vais faire pour arriver à ressortir parce qu'il faut que je rejump absolument. Il y a ta petite âme qui traîne en dehors. Hein? Mais oui, au pire on reste ton âme, c'est pas grave. Ouais. Enfin c'est un peu chiant quoi de... La télékinésie de Katox, il y en a des solutions. Ah c'est pas faux. Ouais, mais bon, il va pas claquer un sort spécialement pour ça. Bon, pourquoi pas. Attends, bon, alors, on en était à... On prend les sports de hâte, puis... Ouais, bah, je vais faire ça aussi, je vais prendre la sport de hâte. On va là. Ensuite... C'est... Ça ne fait rien du tout. C'est quoi, résistance fongique? Attends, mais tu te fous de ma gueule, là? T'es encore tombé dans le trou? Non, je suis passé sur la hâte et j'ai pas chopé la hâte. Let's go. Bah, il suffit de repasser dessus. Bah ouais, mais j'ai plus de mouvement. j'aime ma vie. These boots have seen everything. Est-ce que t'as encore besoin que je vienne balancer un spell? Je pense, ouais. Ah ouais, ouais, moi ça va être mort, hein. Je pourrais pas lui... Ouais, j'ai fait nettement moins de dommages que tout à l'heure, tu vois, il lui reste encore 28 PV. Ah bah là, 28 PV, je vais avoir du mal à... Bah, il va falloir que tu y arrives parce que il faut qu'il meure en un tour le truc. Ah bon? Ouais, s'il meurt pas ce tour-ci, il est full heal tour d'après. Chiant. Sauf si t'as un truc qui fait qu'il j'ai plus de PV, mais moi j'ai pas. Je peux faire 3d10. Ça a l'air compliqué. À moins que Katox arrive à venir le buter, mais. Déjà, Katox est parti dans l'autre direction. Ouais, parce que vous l'avez buté alors. Je t'ai reparti. Ah, par contre, c'est marrant parce que Katox t'es revenu à 71 PV. Ah, oui, bah, j'ai pris des potions. Après, s'il faut, je peux toujours aller le taper, mais essaye de le tuer, au pire, je vais le taper au cac. J'ai pas envie de cacher un gros spell. Alors, attends, on va faire autrement. Je
tente un truc. 2 PV, putain. Et il brûle. Ah, peut-être qu'à son tour. Ouais, mais il... c'est 1d4. 1d4, c'est. Bah, t'as une chance sur 2. Hop là, fin de tour pour moi. Bon, c'est bon, on l'a tué. Bon, il faut. Il faut aller taper le. L'autre. Ah bah l'autre champi, ouais, vu que j'ai pas pu marcher dans la hâte, j'ai plus que lui tirer dessus et je peux le mettre que mi-life avec l'arme à distance. 55 PV, moi j'ai pas. Hein. Non, non, mais je peux m'en occuper si je me retrouve au cac, mais là... Bon, bah alors ce sera... Bon, ça sera le tour prochain, t'inquiète, de toute façon, ça va... Oh bah t'as plus dessus, hein, ça sert à rien là, les champis, de toute façon, il va être refoulé tout à l'heure. Super, sur 6, entre 6 et 48 points de dégâts, j'ai fait 9. Elle a pas des résistances au radiant? Elle a des résistances à la magie. Ah ouais, un critique quand même. Anthropic Ward, tu peux le balancer à chaque réaction? Chaque tour? Il en a 15 en fait. Hein? En gros, il peut absorber 15 de dommages. Eh oh! Ah non, ah oui, ça c'est incroyable, c'est 15 de dommages et tu perds une charge. Oh, c'est incroyable. Oh. Encore? C'est celle qui est à côté de Katox. Encore. Ah voilà, après je peux aller lui foutre des coups dans la tronche. Hein. Fini le champi là déjà. Je finis le champi. Faut pas le finir, faut le buter là. Alors je vais essayer de sauter, hein. Si jamais je meurs, désolé. Voilà, merci. Je me suis dit que ça valait le coup. Là. Oh, j'ai réussi! Mais attends, c'est le retour qui pose problème généralement. Ouais, c'est ça. Alors je peux me mettre dans la merde, mais par contre, en revenir là. Ah, mais je vais pas le buter. Et tout va bien, on est trois à pouvoir jouer. Ah non, c'est bon. Hop. Tu reviens pas? Non, tu reviendras après. Je peux pas vu que là j'ai plus d'action bonus, mais je peux lui tirer dessus. Attends, tu veux que je la mette par terre? Ah, je suis chaud, ouais. Vas-y, je vais essayer de la mettre par terre. Eh merde. Je vais essayer de lui la mettre par terre. C'est surtout de la body block, ça m'en rendra beaucoup. Putain, elle save. C'est vrai que j'aurais pu le faire moi aussi. C'est con, j'aurais pu commencer par ça, non? Non, c'est pas grave. Ah bah c'est bon, fait qu'elle est à terre. Oui, c'est moi qui l'ai tapé. Tu voulais la taper, quelqu'un veut faire des choses? Ouais, non, c'est bon. Faut pas la buter. Hein. Mais là, on va pas lui faire une attaque létale, donc... Alors par contre, faut la taper au corps à corps pour pas que ce soit létal. Hein. Ah. Les trucs à distance et les sorts, ça la bute. D'accord. Oh putain, ça a failli partir en couille. Enfin, je crois que les attaques à distance magiques, c'est sûr, ça va la buter. Mais par contre, lui tapoter gentiment sur le crâne, elle fait dodo. Bon, ben, on va essayer de lui tapoter gentiment sur le crâne alors. Ouais, c'est ça, c'est doit être une attaque. Enfin, sans arme ou de mêlée pour. Ouais, vous en faites pas pour moi, hein. J'ai des PV, c'est pas grave, je peux tanker.
Alors moi j'ai pas l'option avec mon gars de... Bah passe ton tour alors. Parce que là 10 PV c'est sur culture. Hein. C'est sûr que tu l'as tué. Attends, je vais me mettre de façon à gêner une des autres guenaudes. On sait jamais. Genre je vais me mettre en défense de moi. Et peut-être lui mettre un coup quand même sur la gueule quand. Monsieur, c'était un plaisir de vous connaître. Auntie Ethel lies unconscious, her stomach bulging from the child she ate. Lui ouvrir le ventre et la libérer. Let's go. C'est très cinématique, hein. L'elfe couverte de sang. Sa mère en tenue angélique quand même. J'essaie de sauter. Bah, dis pas merci surtout là. Ah, bisous. Et t'aurais dû. Bah j'ai dit que je sautais. Et t'aurais dû me dire sauvegarde, j'aurais fait le lire. Ah putain, enfin, en plus ça compte. Ah, là. Oh, ça a bouffé mon élixir. La cible est bloquée. Ah, d'ailleurs, Arda, je t'ai envoyé des trucs tout à l'heure. Ah, ça me saoule ce bug. T'es encore tombé dans le trou ? Mais oui, mais je peux pas sauter, je peux pas faire des longs jumps. Attendez, bah, maintenant que je suis mort, je vais réessayer, mais. Ah bah non, j'ai plus de force, super. Non, bah c'est chiant, franchement, ça c'est vraiment casse-couille. Hein. Dis-moi, Arda, vu que je t'ai envoyé des crocs de war, que tu pourrais pas me faire un petit élixir par hasard ? Bon bah le gamin il est reparti. Le gamin il est reparti, c'est à dire Bah Vindra là je lui ai parlé là. Il a dit quoi? Il a dit maman et il est parti. D'accord. Bon. Elle était où sa maman? Ouais, Arda, tu peux me faire Je ne sais pas. C'est quoi ça lorsque vous. Mais je m'en fous de ce truc, pourquoi j'ai ça dans mon inventaire? Un bonus. Alors, petit élixir. Alors c'est lequel? Soif de sang. Ouais. C'est fabriqué, tu peux le récupérer dans mon inventaire. Par contre, je n'ai pas suffisamment de ressources pour faire l'élixir de géant des nuages ou de géant des collines. C'est pas grave, j'en ai encore dans mes sacs pour le moment, mais c'est juste chiant de consommer un élixir pour. Ouais. Mais surtout que je comprends pas parce que ça a l'air de concerner que moi, vous pouvez faire les jumps sans vous bouffer les décors. C'est parce que t'es un nain. Tu sais pas jumper. Ah, allez, vas-y, s'il y a que ça. Tu veux pas essayer à tes mires d'aller te mettre là-bas et de faire le saut en sens inverse, genre tu jumps le plus loin possible que tu puisses faire. Ouais. A voir si c'est que moi parce que je vois pas. Et vous savez quoi? On va arrêter l'épisode là et on va faire ce test dans l'entre-deux épisodes. Ça marche. Et si je voulais le faire pendant l'épisode? Eh ben c'est trop tard, allez hop. Des bisous. Allez, à plus tout le monde et on se retrouve la prochaine fois pour sauver plus de gens encore. Je crois qu'il nous en reste sur la liste. Ouais, je pense. Allez, à la prochaine. À la prochaine.